Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Foundation. Donc la dernière fois, on s'en était arrêté. On avait vu qu'on commençait à remonter en pain. Par contre que les baies étaient descendues mais à mort. Du coup, on va construire des cabanes de récolte. On va pas s'embêter. Là, j'ai un truc là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tac, une cabane de récolte. Eh ben j'en avais déjà lancé une construction ici, c'est parfait. J'en ai une ici. Je peux en faire une par là aussi. Je sais pas ce que je fais de mon fromage. Là, faudrait que je fasse un petit marché. Je crois que j'avais lancé la construction d'un camp de bûcherons, donc c'est parfait. Ils vont le construire quand ils le construiront. Mais ils ont du boulot avec notre auberge. L'auberge. Hop, là, le charbon, on en produit, c'est bien. Là, les lingots d'or. On en produit aussi. On a très peu de gemmes par contre. Nouvelle mission militaire. Un moine, que me veut-il le moine? Des outils? Non. Je n'en ai pas. Peut-être qu'on pourrait construire une mine de pierre. Ah merde! Je vais pas pouvoir construire ma carrière là, si. Si. Joseph. Je pourrais faire une carrière de pierre. Je suppose qu'après on va en avoir besoin de la pierre. Ce serait pas mal vu que là je peux me permettre, peut-être. Parce que j'ai beaucoup de villageois qui ne font rien, oui. Peut-être que je pourrais me permettre ici de construire. Attendez, on va voir déjà. Donc ça, je pourrais faire un atelier de geôlier. Le problème, c'est que je récolte très peu de gemmes. Plus j'aurai de mines, plus j'aurai de gemmes. Potentiellement. Je peux mettre des gemmes là-dedans. Oui. Je peux mettre des gemmes là-dedans. J'ai des bijoux, mais je sais pas où ils sont du coup. Alors, ce qu'on va faire. Les épées, ça me sert à rien. Les brasseries, ça me sert à rien pour le moment. Ça me sert à rien. Ah, les huttes de chasseurs, tiens, on va regarder où c'est qu'on en est au sanglier là. 150 sangliers, ah oui, bon. Oh, ça va. Ils chassent bien. Ils seront utilisés par l'auberge pour faire des repas. Les baies, ça remonte toujours pas. Le pain, ça stagne quand même. Le pain, ça stagne. Mais on relève notre stock, donc peut-être que ça va bientôt être le moment de construire une autre boulangerie. Il faudra la faire par ici, je pense. Le grenier à pain est ici. Ouais. Donc, ici, première chose à faire, on va faire un atelier de joaillerie. De joaillerie. Genre, comme ça. Comme ça, tiens. Comme ça. Non, c'est pas terrible comme ça. J'aime pas trop. Je préfère genre par là. Clac. Ok. Là, on va construire une mine de pierre. On peut reconstruire une mine d'or là. Non, on peut pas construire une autre mine d'or là. Si, là, je pourrais construire une autre mine d'or. Mais ça me sert à rien l'or. Je peux même pas le vendre, je crois. Ou je fais un autre stock. Hein. Ah oui,
D'accord. Ça me bouffe l'or, quoi. En fait, de faire des lingots. Attendez, alors du coup, j'avais pas prévu ça. On va faire une autre mine. Vas-y. Ah oui, j'avais pas prévu ça du tout. Je pensais que... que le minerai d'or... Ah ouais, donc c'est pas un pour un. Il faut 3 charbons et 6 minerais d'or pour faire un lingot d'or, c'est ça? C'est ce que je comprends, là. Ok. Donc effectivement, je peux envoyer des mineurs d'or. On va également envoyer des mineurs de pierre, ici. Hop. Avec une grue. Comme ça. Pouf. Hop. Et on va construire un entrepôt de ressources. Par là. Clac. Promotion disponible. Alors, là, ça va être important. Déjà, on peut mettre ces trois là comme ça. On va remettre de l'immigration un petit peu. Un petit peu, hein, pas trop. Ok, donc. Là, je dois être. Ah oui, je suis full parce que de toute façon, je ne vends pas tant que j'ai pas terminé ça. Donc là, il faut que je sois malin. Donc c'est déjà pas celui-là que je voulais voir. Là, il faut que je passe des gens citoyens pour pouvoir débloquer pas mal de choses. Donc, les citoyens qui peuvent... Enfin, les gens qui peuvent devenir citoyens, ce sont les forestiers, les maçons, les meuniers, les boulangers, les fondeurs, les forgeurs, les fromagers et les tonneliers. Ça me sert à quoi les tonneaux d'ailleurs? Je ne sais pas. Les brasseurs, les chasseurs et les serveurs. Ok. Donc il faut que je trouve une maison où j'ai un peu tout ça. Ça me sert à quoi les tonneaux? Des planches, du fer et des outils pour fabriquer des tonneaux. Mais à quoi ça me sert? Ça me sert à rien. C'est comme le verre. Ça me sert à rien. Au final, c'est de la production bonus, quoi. C'est des trucs que tu vas fabriquer pour les vendre derrière. Je pense. On verra quand on aura une abbaye. Peut-être que dans l'abbaye, il y a des trucs qui ont besoin de tonneaux. Le miel, par exemple, peut-être. Et du coup, ça veut dire qu'il va me falloir que je fasse une mine de fer. J'en ai une là, je crois. Ouais. Un gisement de marbre aussi. Ouais. Donc il faudra des transporteurs pour emmener tout ici. Peut-être que ici, on va passer des gemmes là. Ouais, là je récolte, je peux mettre déjà des minerais là. Je sais pas c'est combien là, ça doit être 50 et 50 hein. C'est pas mal là, je pourrais mettre un stock de gemmes plutôt que de l'or. Ouais. Ok. Réfléchissons. Est-ce que je commence à faire des tonneaux maintenant ou c'est pas la peine? Non, c'est pas la peine. Pour l'instant, il faut que je réfléchisse à qui je vais améliorer. Il faut que je trouve une maison, par exemple celle-ci. Ils sont pas assez, ils sont que 5. Et puis c'est que élevé. Ouais, on pourra l'augmenter facilement, je pense. Élevé, très élevé. Alors... transporteur. Transporteur, je ne crois pas que c'est un métier ouais, qui peut devenir citoyen. Boulanger, oui. Boulanger, oui.
Transporteur, non. Tisserand, je suis pas sûr. Tisserand, si. Et transporteur. Donc là, il y en aurait 3 sur 6 qui potentiellement pourraient devenir des citoyens. Ils sont que serfs. On va les passer roturiers, ceux-là. Ouais. Ceux-ci, on va les passer roturiers. C'est toujours ça. Moi, bon, en fait, le but pour le moment, c'est juste d'avoir 10 citoyens pour débloquer les trucs de citoyens. Et après, on améliorera au fur et à mesure quand on va débloquer des trucs. Parce que là, ils vont avoir des besoins supplémentaires, les citoyens. Que je ne vais pas voir ici, du coup, parce que je ne peux pas en améliorer les citoyens. Ils vont avoir des besoins de luxe supplémentaires. Et pour le moment, je n'ai absolument rien en production de luxe. Il me faut mes 10 citoyens pour pouvoir commencer à produire des trucs de luxe. Parce que je n'ai pas débloqué l'abbaye qui me permet de produire du miel et du vin, je crois. Mais ça, on verra plus tard. Donc, on a dit cela. Donc, Velasquita. Attends, on va les trier par nom, ce sera plus facile. Alors là, c'est les roturiers. Hein. Velasquita, ok. Ensuite, Hildebold. Hildebold. Hildebold, voici. Myrielda. Ok. Foscarina. Foscarina. Alors pour réexpliquer pour ceux qui ont raté, hein, j'essaie d'améliorer une maison, comme ça je suis sûr que la maison entière va augmenter de niveau et qu'ils vont pas essayer de déménager entre eux et de changer de domicile. C'est mieux. Moretta, enfin je pense. Moretta, vu que je sais qu'ils sont assez bien répartis mes villageois par rapport à leur lieu de travail. Et Mono. Mono. Voilà, donc là, eux, ils ont tous ils vont tous monter de niveau. Non, mais c'est trop une autre maison. Avec la soldat, c'est pas terrible. Ah si, parce que... Voilà, les besoins de luxe, c'est ça. C'est la bière, donc la bière, j'en produis déjà pas mal. Le vin, le miel, les herbes. Ah, les gemmes, ils peuvent prendre des gemmes, simplement. D'accord, les gemmes sont un besoin de luxe. Sans être transformé en bijoux. Ah, c'est intéressant ça. Par contre les gemmes, je peux en acheter ou pas? Non. Je peux vendre des bijoux très cher. Le vin aussi. Mais je vais les garder pour moi de toute façon. Ah non, le vin je peux l'acheter, je peux pas le vendre. Ok, bon. Ben, on verra plus tard. Donc soldat, lui, c'est pas la peine. Teneur de marché, tailleur et berger. Alors berger, je crois pas. Teneur de marché, peut-être. Teneur de marché. Ça y est pas là-dedans, teneur de marché. J'ai pas vu berger non plus. Berger, voilà. Teneur de marché non plus, ouais, donc c'est pas la peine cette maison, en plus ils sont pas beaucoup. Ok. Là, celle-là, c'est celle que j'ai fait augmenter. Là, ils sont que 4 dedans. Faudrait que j'améliore la désirabilité. Pour qu'il soit plus. Transporteur, fermier, bâtisseur, pas la peine. On va quand même essayer d'améliorer vite fait là. La désirabilité de cette habitation. Simplement en mettant des décos un petit peu. Voilà. Clac. 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 Mettant des petits arbres comme ça. Ça va faire augmenter la désirabilité. Hop.
Voilà. Simplement, donc ils seront bientôt 6 dedans. Alors, là j'ai un soldat. Transporteur, transporteur, transporteur. Donc c'est pas la peine, transporteur, bâtisseur. Ok. C'est pas la peine. Hop, hop, hop. Hop, donc là celle-ci. Un soldat bailli. Ouais, donc c'est pas la peine non plus. Celle-ci. C'est la même? Ah oui, c'est la même, ok. Celle-ci, c'est celle qu'on a vue déjà, je crois bien. Celle-là, c'est la même, ok. Donc ça, c'en est une entière, oui, donc non. C'est pas cool ça. Celle-ci, fermier, non. Tailleur, oui. Fermier, non. Fermier, non. Transporteur, transporteur, ok. Génial. Il faudrait que je trouve une maison quand même où ils sont plusieurs dedans, ce serait pas mal. Transporteur, fondeur, fondeur, charbonnier, charbonnier non plus. Fermier, charbonnier, ok. Bon. Et une maison par ici. Alors, teneur de marché, mineur, transporteur, transporteur, meunier. Meunier? Non. Absolument pas. Ah, je crois pas les meuniers. Hein. Meunier, 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 meunier. Ah si, les meuniers. Les meuniers, oui. Donc là, attendez, on avait quoi? Teneur de marché, mineur, transporteur, transporteur, meunier, meunier. Juste deux meuniers. Pas terrible, c'est pas ouf. Alors là j'ai deux soldats déjà, donc c'est pas la peine. Transporteur, charpentier, maçon, transporteur, donc non. C'est embêtant tout ça. J'aimerais bien que ça... cueilleur, transporteur, cueilleur, mineur, transporteur. Bon, c'est chiant. c'est chiant, c'est chiant. Et par ici non plus. Je pourrais quand même les passer serre. Peut-être qu'ils sont plus efficaces quand ils sont pas quand ils sont serre, quand ils sont machin là. Charpentier non, transporteur, 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 transporteur. J'ai je sais pas combien de transporteurs. J'ai beaucoup 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 de transporteurs. Oui, 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 j'ai beaucoup, beaucoup de transporteurs. C'est une maison, ça? Oui. Mais moyen, alors, brasseur, brasseur. Ah, tiens, là, j'ai 4 brasseurs. Ah, c'est intéressant, ça. Si j'arrive à faire monter la désirabilité de cette habitation, par exemple, en construisant un puits à côté. Ouais, construisant un puits par là. Boum. Ok. En y mettant des arbres décoratifs. Pouic, 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 pouic. Moyen. J'ai toujours pas élevé, hein. Une arche végétale. Pouic. Non, c'est moche comme ça. Sur la route comme ça. Clac. Je suis pas du tout sur la route. Ah, mais c'est penché, ça va pas. Voilà. Ça n'a rien changé. J'ai toujours un moyen. Pourtant ils sont juste à côté du marché, de l'église est pas bien loin non plus. Qu'est-ce que je pourrais construire? Ça. Une statue de mouton. 20 outils quoi. Des petits arbustes décoratifs. Attendez.
On va faire une petite haie. Non, ça n'augmente pas ton bonheur. Toi, ni ta désirabilité. Bon, c'est pas grave. On va quand même les faire monter ceux-là. Donc, Toda, brasseur. Ozekin. Ozekin. Erembourg. 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 Et Guiscard. Guiscard, où te caches-tu là? Ok. Bon, déjà avec ça, ça fait des. Pardon, ça fait des citoyens. Ah bah voilà, si très élevé. Ça fait quelques citoyens. Enfin, ça fait quelques roturiers de plus. Qui pourront devenir serfs par la suite. Le pain, ça redescend. Le pain, ça redescend. Par contre, mes stocks augmentent à mort. Donc, il est temps de construire une nouvelle boulangerie. Une nouvelle boulangerie. Pas trop loin de celle qu'on avait déjà. Donc là, on a enlevé le... Ouais. On a enlevé le truc, donc on va la construire ici, notre boulangerie. Là, elle va être super bien ici. Elle va être au top même, j'ai envie de dire. Là, comme ça, clac. Comment c'est la construction? Ok. Je pourrais construire d'autres stocks pour ça, là. Mais bon. Franchement. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mes stocks sont stables, ils descendent pas trop malgré le fait que j'augmente mes roturiers. Ah, je remonte un peu les baies. Attendez, j'ai dû construire des choses. Non, j'ai toujours pas fini de construire pas mal de choses. Et oui, parce qu'ils doivent être tous accaparés par la construction de l'auberge qui aura duré 12 ans. À peu près. Peut-être qu'on va produire des outils. Hein. Je pense que j'en aurai besoin plus tard des outils. Je gagne toujours beaucoup trop d'argent. Moins qu'avant, mais j'en gagne toujours. Ok. C'est pas la folie l'or. Hein. Je suis à combien de lingots? 58 lingots d'or. Bon, peut-être qu'il faudrait un nouvel atelier de bâtisseur. Parce que là, j'ai lancé énormément de constructions. Et je vais passer un temps fou à attendre que ce soit fini de construire. Alors, eux, là, les bûcherons, ils m'ont tout bûcheronné, quoi. Ah ouais. Ils m'ont tout enlevé, quoi. Il n'y a plus de bois. Ah par contre, faut qu'ils arrêtent de piocher le bois là-bas. Ça, c'est con, ça. Arrêtez-moi ça tout de suite, là. Hop, 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 hop. Stop le bûcheronnage ici, là. Merde. Le bûcheronnage ici, c'est... Enfin, le bois ici, du moins, c'est pour... Ah si, j'ai mis une cabane de bûcheron, là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, du coup? J'ai prévu cette zone pour du bûcheronnage, je ne m'en souviens plus, pour faire du bois. Je ne m'en rappelle plus. Là, ils ont tout coupé le bois, quoi, il n'y a plus rien. Là non plus, il n'y a plus rien du tout. C'est très bien. Là, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. On va tout enlever la zone, on va tout nettoyer. Clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Ah, attendez, hop. Un moine requiert votre audience, mais je m'en fous, il va me demander je sais pas quoi. J'ai pas d'outils. Rentre chez toi. Un entrepôt de ressources. Terminé. Ok. Donc là on a dit... Est-ce que je transporterai pas les mineurs qui sont ici là?
qui mine la pierre là, là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux stocker des sculptures d'ailleurs. Non. C'est où qu'on stocke des sculptures? C'est quand même pas dans un grenier? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, là-bas j'ai fait un truc de luxe aussi, je crois. Non, c'est pas ici, c'était où? C'était là. Ouais. Là je peux vendre des gemmes si je veux. Mais j'en ai que 3. Ce serait un peu con de vendre mes 3 gemmes à mes habitants. Ouh, ça redescend. Dilemme. Lem. Je ne sais pas du tout. C'est une habitation, ça. Ok. Donc là, j'ai 3 bûcherons qui font rien. Là-bas, j'ai 3 bûcherons qui font rien aussi. Enfin, ou du moins pas grand-chose. Ta-ta-ta. Sachant que là, j'avais dit que je ferais des fermes. Et oui, mais là, on va prioriser ça. On va prioriser ça. On va prioriser aussi ça. Et ben, je crois que c'est tout. Peut-être bien que là, on va stocker de la pierre. De la pierre, de la pierre et de la pierre. Voilà. Et qu'on va assigner les villageois qui n'ont pas d'emploi. Oula non, pas tant que ça. Je suis bête. 2 suffisent pour le moment. Surtout pour transporter de la pierre. J'ai très peu besoin. Ouais. Surtout pour transporter de la pierre dont j'ai très peu besoin. Alors mes bûcherons, je vais aller remettre là. Je vais les faire bûcheronner ici. Clac 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 clac. Par contre pour le moment. Oh mince. Oula, j'avais pas vu. Je n'ai pas suivi le bonheur. Je n'ai absolument pas suivi le bonheur. Oula 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 oula. Il manque trop souvent d'église. Eh oui. Oh là là. Ça y est, ça commence à être le bordel. Alors attendez. On va faire un atelier de construction. Par là-bas pour que mes habitants viennent un peu par ici. J'ai envie qu'ils viennent un peu par là. Qu'il y ait des nouveaux habitants par là. Ça on verra plus tard. Commencer la construction. Ok. Éditer. Module. Donc là, on va prendre 3 habitants qui sont sans emploi. Voilà. Et on va les rendre bâtisseurs. Très bien. Ok, donc ça, ça va aller assez vite. Voilà. Pareil, les sans emploi, on va prendre 3 sans emploi accueilleurs. Et on va leur autoriser à accueillir ici. Paf. Voilà. J'avais absolument pas suivi le bonheur. Il me faut des puits. Il manque d'eau. Qui c'est qui manque d'eau? Il y a des puits là. Il y a des puits ici. Pourtant les puits j'en ai mis de partout quoi. Ah j'en ai pas mis par ici des puits. Je vais mettre un puits par là. Ça, ceux qui travaillent ici, qui ont soif, ils peuvent boire ici. Je vais rajouter des puits, hein. Parce que ça coûte les puits. Hop. Ah, parce que ça coûte les puits. J'en avais mis un là, ouais, c'est ce qui me semblait. Où c'est que j'en ai? J'en ai un là.
J'en ai un ici. Je peux en faire un par ici à la limite. J'en ai un là-bas, j'en fais un ici, ouais, pouf. Je crois que j'en avais mis un par là aussi. Ouais, là. Donc c'est pas mal. Là, il y en a un ici. Là, il y en a un là. Peut-être pouvoir construire un puits dans l'auberge, là. Là-bas, j'en ai pas mis. Je peux en mettre un par là. Là. Voilà. Ouh, ça va être la merde, là, du coup. Parce que... il y en a qui ont quitté mon village. Un villageois a quitté votre village qui est malheureux. Ah merde, alors ça, c'est chiant, parce que du coup... je suis coincé tout en allant à habitation. Comment ça? Comment ça? C'est quoi ce bordel? Ah, ils sont coincés, ils peuvent pas aller dans l'habitation? Tu te fous de ma gueule? C'est quoi ce bordel? Je suis coincé. Moulin à vent, habitation, moulin à vent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça je suis coincé? Ils veulent pas me montrer plutôt la personne qui est coincée? C'est quoi ce bordel? Il y a des mecs qui sont coincés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Boulangerie. Donc c'est un des deux là. T'es où toi? T'es où? Tu travailles? Et toi? T'es là. T'es pas coincé? Comment ça t'es coincé toi? C'est lui qui est coincé? Ah non, ils sont là. Qu'est-ce que ça? C'est quoi ce délire? Je ne comprends pas. Pourquoi ils sont coincés? Bon. Je ne sais pas. Peu importe. Là, je suis à 210 habitants. Combien j'ai de place à l'église? 40. Plus 80, ça fait 120. 120 plus 60, ça fait 180. 180 plus 40, bah c'est bon. Ça fait 220. Il manque de place alors. Peut-être que c'est celle-ci qui est trop petite. Je pense que c'est celle-ci qui c'est. Je pense que c'est celle-ci qui est trop petite. Ou celle-ci. Elle est à combien? 60. Elle est à 80 et elle est à 40. On peut peut-être agrandir celle-là un peu. Éditer. Alors. Ça fait combien? Ça fait 10 places de plus. On va l'agrandir comme ça. Pof. Allez, vas-y. Commencez la construction. Il va me manquer des outils. J'ai pas compris ça. Je ne sais pas. Sept villageois ont manqué trop souvent de maisons. Qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend? Manquer de bouffe, mais tu te fous de ma gueule, la bouffe, il y en a partout. Putain, je comprends pas. Ça va être des transporteurs. Alors attendez. On va essayer d'aller voir qui a manqué de quoi. C'est pas beaucoup, hein. Les vêtements, c'est pareil. Comment ça se fait qu'il manque de vêtements? 0,57 de l'eau, 0,57 aussi. De l'habitation. Je comprends pas. Ok, l'église ça monte. Oh là, un villageois quitte. C'est qui? On peut pas voir qui c'est. Putain, je comprends pas. Et voilà, je commence à ne pas comprendre ce qui se passe. Des puits de l'eau, je comprends comment ils peuvent manquer d'eau, il y a des puits partout. À mon avis, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont coincés. À mon avis, il y en a trois qui se sont coincés, je sais pas où. Voilà, il y en a deux qui se sont coincés là. Et c'est eux qui vont pas être contents et qui vont dégager. À mon avis, il y a de fortes chances.
Au pire, c'est pas grave, on les remplacera. Ouais, il y a des nouveaux arrivants. Si c'est juste parce qu'il y a des gars qui se sont coincés, c'est bon quoi. Faut juste espérer que c'était pas des roturiers quoi. Priorisez-moi ça aussi, s'il vous plaît. Construction terminée, puis. Zéro villageois, qui d'autre village car ils sont malheureux. Quoi? Cabane de récolte, oui ça on l'a fait. Alors. Hop. Bonheur. Le bonheur. Qui c'est qui est le plus malheureux? C'est le transporteur de la... Ouf. T'es où toi? Ah ouais, elle est bloquée, elle. Bah voilà, c'est pareil. Pareil. Je parie qu'elle est dans la maison aussi. Ça veut dire quoi? C'est vrai que dans cette maison, on peut... ils peuvent plus rentrer dedans? C'est quoi ce bordel? Supprimer. Quelle horreur. Quelle horreur. Et du coup, ok, c'était ça en fait, ils étaient bloqués dans la maison. Et c'est sûrement eux qui me créaient tout ça là. Putain. Alors ça par contre c'est chiant dans ce jeu, c'est que... Mais où c'est qu'ils vont les se mettre maintenant? Putain, ça y est, ça va créer des... Ça va créer du merdier. L'attrait, c'est où là? Résidentiel. On va créer des maisons par là, je crois, hein. Tant pis. Là. On va créer une zone résidentielle un peu par là. Voilà. Hop. Hop. On s'en fout. Bah voilà, ça remonte tout seul. Alors. Clac. Tout ça parce qu'il y en avait 4 qui étaient coincés. Enfin, peut-être un peu plus que ça, même. Putain. C'est chiant du coup parce que j'ai dû perdre des... J'ai dû perdre genre des boulangers, des tailleurs, des trucs comme ça. Alors on va aller vérifier ça, la liste des métiers. Voilà, j'ai perdu un boulanger là. J'ai perdu un brasseur aussi. Comment ça se fait? Brasserie. Elle est où cette brasserie? J'avais peut-être jamais assigné de brasseur ici. Tant pis. Alors cette boulangerie... On va lui affecter quelqu'un qui est sans emploi. Hop. Le brasseur, pour le moment, on n'a pas besoin d'un transporteur. 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 Producteur laitier. J'avais construit une ferme et j'ai pas affecté de producteur laitier dedans. J'ai envie de dire, on s'en bat un peu les couilles parce que le lait. Le lait, voilà quoi. J'ai pas besoin de lait en fait. Vraiment pas besoin de lait. Vraiment pas. Grenier. Boum boum boum. Moulin à vent. Il est où celui-là? Là. Alors là par contre, effectivement, on va balancer quelqu'un dedans. Étal de produits de luxe. Ah, je les avais construits mais pour le moment je n'en fais rien. Bon, on va laisser ça, j'ai pas perdu trop de choses alors finalement. Promotion. Citoyen. Ah bah voilà. Je suis à combien de citoyens? 6, il m'en faut 4. Bah les brasseurs, allez vas-y. Vas-y les brasseurs. Hop, et toi aussi. Je suis passé à 11 citoyens. Voilà. Oh le pain. Le pain. Pain. J'ai de la farine de nouveau en masse. Oh putain, du blé aussi. Oui, le blé, c'est assez ouf le blé là. Le blé, je suis hyper remonté là-haut. Je suis hyper remonté en blé. Bon, on va construire un moulin par là. Ou là.
Là, ces deux moulins, ils marchent. Ok, on va faire une boulangerie. Une boulangerie. Ah, mais j'en ai fait une déjà. Faut juste qu'elle se construise. Il me manque les outils, putain, les outils. Les outils, bordel. Les outils, bordel. Ah, j'avais pas vu, ça fait 40 minutes que je tourne. Alors, paf, paf. Métier. Voilà. Comme ça, ils vont se construire des maisons. Les métiers. Bon, ça fait 40 minutes que je tourne. Du coup. Ah, ce jeu est trop, beaucoup trop prenant. Donc on a enfin nos 10 citoyens. On va arrêter de nouveau ça, l'immigration pour le moment. On va attendre de... Il faut qu'on reproduise du pain. Il faut vraiment qu'on reproduise du pain. Ah, c'est ça que je voulais voir. Voilà, donc on a débloqué maintenant le monastère, le jardin médicinal, le monastère, la production de vin, le rucher et l'atelier de construction de vitrail, mais je ne pourrais pas de toute façon le faire. Il me faut des moines ensuite. On peut débloquer ça et ça, comme ça on a un meilleur bonus commercial. Et c'est tout. Si il me faut ça, il me faudra ça après peut-être. Comme ça on va envoyer notre bailli. Et pour produire des vitraux, il faudra que je puisse venir jusque là pour prendre le quartz. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas m'étendre par là-bas. On verra. On verra. En attendant... il faudrait que je fasse d'autres constructeurs encore. Le problème c'est qu'après ils vont rien branler quoi. J'ai pas une cabane de bûcheron ici, elle est toujours pas construite. Putain, il me manque des outils, il me faut des outils. Qu'est-ce qu'il me faut pour une mine là? Il me faut des outils aussi. Bon, c'est pas grave, on va attendre, on va patienter. On va être patient, on va essayer de faire remonter ça aussi. Je ne comprends pas pourquoi il manque d'église. Enfin, si, ils sont en train de reconstruire de l'église, agrandir l'église là. J'agrandirai peut-être cette église ici aussi. 40 places, ça me paraît un peu léger. Même si là, ils sont pas beaucoup. Hein. Ils sont pas 40 déjà. Peut-être. 9 sur 40. Je vais surveiller ça. Bon, allez, donc en tout cas, sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Et salut à tous, ciao !